Je voulais dire en rapport de la prise en charge des patients, les activités occupationnelles thérapeutiques. Chez nous, on a tendance à choisir les mêmes patients pour participer à l'écothérapie. Mais ici, vraiment, j'ai apprécié la façon de s'adapter à chaque type de patient. Par exemple, à titre d'exemple, je peux citer les patients qui ont des troubles de mémoire avec cérébrales lésions acquises. Ils ont des activités propres à eux pour stimuler le cerveau. Pour les ateliers qu'on appelle le sport cérébral, donc ça leur aide de leur patient et aussi ça les valorise, on montre qu'ils ne sont pas délaissés aussi. Et c'est une bonne chose qu'on peut améliorer chez nous, considérer chaque patient, s'adapter à sa pathologie et pouvoir mettre en place des activités en rapport avec son type de pathologie.